Le problème, c'est que ça peut être recyclé la carte aussi. On va pas le faire. Je voulais juste voir si ça marchait, mais ouais, ça a peut-être recyclé la carte en même temps. Je sais pas. Je sais même pas si c'est là exactement. On verra ça après. Alors, pour aller là, on va faire... Prendre la tasse. Voilà. Bonjour. No. Alors, je travaille au département psychotronique. Nous devons nous voir rapidement dans un endroit privé. Donnez-moi au lieu de 2 heures. Vous y retrouverez. Faites attention. Votre demande d'accès aux données au compteur a été refusée pour les motifs suivants. Vous ne disposez pas des autorisations nécessaires et rien ne justifie la requête du point de vue purement professionnel. Ah! Ça disait une pierre avec des initiales. On est tous russes en fait, je suis sûr. On est tous des Russes. Comment on sort? Okay, il manque des cartes. Oh, il manque des cartes, c'est chiant. Poltergeist. Ah. C'est pas ça, c'est ça. Ah. Bien joué. Bien joué, moi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais je l'ai pas faite entière la salle, je crois. Non, non, j'ai pas faite entière. C'est tellement grand.
monter, on peut aller là. C'est pas mal ça. Oh wow. T'es sérieux? Bon bah... On va tracer quoi. J'ai pas vraiment tracé parce qu'il fallait que je récupère... Ok, là ça va être combat. Il me faut du gel, brûlure. Comment on va le faire? Ok, ça fait 1. On pourrait attaquer cette merde directement en fait. Si le mec bouge pas. Bah, évidemment, le truc bouge. Très bien, va-t'en. Ah mon dieu. Je panique, panique, panique. Est-ce qu'on a sauvé tout le monde? Ah, Marie est morte? Non, Marie est morte. Elle est aussi? Ah non, on recommence. On n'aime pas ça. Moi, je veux sauver les gens. Pour la première fois. Je suis là. Ah, c'est quoi cette merde? Non. Ah non. Bon bah merde. Je sais pas pourquoi ça a sauvegardé là. Mais...
Ouais. Ah putain, on a un traumatisme. Ah, c'est chiant. Ouais, je sais pas pourquoi vraiment ça sauvegardait à ce moment-là. La sauvegarde rapide. Du coup, on peut plus. On peut pas faire grand-chose. Sauvegarder la partie. Ouais, parce que. Non, je peux rien. Non, je peux rien faire. Ouais, non, je sais pas. Bizarre. Je crois que pour sauver les gens, ce qu'il faudrait, c'est. Je crois qu'il y a contrôle mental. Ça peut être sympa, je pense. C'était des pilules, non? Traumatisme crânien. C'est con parce qu'on s'était fait chier à les taser et tout. Peut-être mort des AOE du monstre. Non, je sais vraiment pas comment ils sont morts. Enfin, surtout les deux, quoi. Ils étaient vraiment éloignés l'un de l'autre, c'est ça qui est étrange. Alors, on continue. Ça c'est chiant par contre. Ouais, j'ai l'impression que c'est fait exprès en fait. Aïe. On aurait dû passer par là. Et merde. Est-ce que c'est grand? Maintenant, on fait quoi? On retourne vers le mec. Il y a un recycleur au deuxième étage, je l'ai même pas vu. Ouais, faut passer par là. Je sais même pas si on a l'objet en fait du mec. Il nous a demandé de prendre un truc, mais je me rappelle pas trop quoi. Non. Ok, allez, on monte. Welcome, welcome Morgan Yu. Neuromode. Sympa ça. Qu'est-ce qui se passe? Tulipe jaune. Ah ouais.
Alors, on va où là? Bah, non. C'est quoi ça? Activé. On a un peu de lumière du coup. Il y a une bestiole derrière ça, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont violents, les mimiques supérieurs. Ah. Bienvenue à tous. Il y a 12 heures, nous avons réalisé un exploit incroyable. Nous avons franchi la barre des 8000 neuromodes. 8000 neuromodes partageant compétences, capacités et améliorant notre qualité de vie. Et tout ceci, nous le devons à vous tous. C'est grâce à vous que tout cela a été possible. Et félicitations à Morgane, mon cher et tendre frère, qui s'est rendu sur Terre afin d'aider les équipes de communication du conseil d'administration de Transtar. Alors, un toast à Transtar, aux neuromodes et au futur. Mais le succès est bien insipide si on ne le partage pas. Laissez-moi vous présenter quelques-uns de nos employés pour qui la musique était un domaine inconnu jusqu'à hier. Mis à part pour le chef Shaw, qui, d'après certaines rumeurs, chante avec une voix d'ange. Sky, Daniel, quand vous voulez. Ils sont attirés par le son, donc bon. C'est vrai que c'est peut-être pas malin. C'est énorme. C'était cool. La musique est cool en plus. C'était plutôt drôle de se mettre derrière la batterie et de voir les fantômes arriver. Là j'ai bien aimé, c'est plutôt sympa. Bourrons-nous la gueule. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Ah, c'est de la bière. C'est bien ce que je pensais. On a la carte maintenant? Ouais.
Les modules d'évacuation n'ont pas fonctionné, on pense que c'était intentionnel. Ces formes noires ont envahi la station. Tous les gens qu'on connaissait sont morts, ou pire. On va pas finir comme ça, nous aussi, nos familles, vous êtes... Ok, super. Ah, se sont suicidés. Quoi ce bruit? Je crois que c'est de l'autre côté du mur. Ah, ça doit être là-bas, là. Ici on a tout fait. Il y a un recycleur là, donc il faut sens inverse gauche. Là. Mike, il paraît que tu es dans la suite de la direction pour réparer le système de refroidissement. Tu pourras déposer les fournitures de Morgane en passant le code du puits gravitationnel à changer. Ah oui, mais ça on le sait. Ça on le connaît. À la limite, il y a peut-être un peu trop de... Trouve le code, trouve la carte. Il y a un peu trop de jeux comme ça, mais... C'est pas très chiant, mais bon. Ça devient un peu frustrant en fait des fois. Peu de place dans l'inventaire comme ça. Bon, il reste plus que le niveau 3 normalement. Alors, suite de la direction. Il faut utiliser les ascenseurs. Normalement. Qu'est-ce qui se passe? Technopathe. Ah, c'est ceux dans l'espace, les gros là.
ça qui fait autant de bruit. On peut aller là. Hop. On va le faire la clé à molette s'il nous a pas vu. C'est bien passé. Oh, on a tellement d'alcool, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'a rien. Allez, on avance. Alors, Alex You, on va d'abord aller là. Morgan You, c'est moi. C'est le mot de passe du début du jeu. Enregistrement mémoriel. Calvino, collègue, ne remarquera rien d'anormal. Mémoire photographique. Obsédé du travail. Dossier médical vierge. Aucune absence. Nouvelle entrée. Shaw, Daniel. Chef du département informatique. Ne t'apprécie pas. Apprécie Alex. Ou pour moi. Dois découvrir pourquoi. Note à moi-même. Recherche. Le chef Mitchell et le piratage d'opérateurs émotifs. Dayo Igwe, embauché par Alex. Sa position mal vue sur les phénomènes psychiques a permis d'économiser sur son recrutement. Parmi les meilleurs scientifiques de la station. Est au courant pour les tests. Fidèle à Alex. Pense que ton frère et les Typhoons peuvent sauver sa carrière. On peut pas trop s'éloigner, c'est embêtant. Mikaela Eliushin, ingénieur en chef. Vous vous évitez. Existence d'une brève relation. Tu y as mis fin quand les tests ont commencé. Elle pense que c'est parce que tu as découvert qu'elle souffre de paraplexie. Pratique, mais faux. Couper les ponts t'a semblé plus sûr. Moins douloureux, étant donné ta perte de mémoire future. Qui est elle qu'on a sauvée, hein ? Paraplexie. Trouble neurologique. Empêche l'utilisation de neuromodes. Nécessite un traitement médicamenteux agressif pour empêcher la dégénérescence. Ça rend les candidats inéligibles à une affectation sur Talos One. Ça bouge. Sarah et Lazare, chef de la sécurité, ne compte pas parmi tes amis. C'est quelque chose à propos des Typhoons. Rien à propos de tes tests, seulement des soupçons. Digne de confiance, ne se fie pas à Alex. Ou à toi, pas encore. Bon ben ça va. On en apprend un peu plus. Vu qu'il a fait des... Il a enregistré des choses avant de...
De se retirer les neuromodes et d'oublier. Sympathique. Sympatoche. Très malin aussi. Ah. Ah. Bon, faut que je lise les objectifs parce que là je crois qu'on a fait le tour du complexe. Vous ne m'apportez rien, oui, je vous donnerai rien. Cadavre là aussi, j'ai pas vu. Sympathique de vivre dans une station spatiale comme ça, c'est marrant. Après c'est super grand aussi, donc ça va. Pas vraiment de quoi devenir claustrophobe, mais c'est intéressant. Ok. Alors. Ah tiens, on a des émetteurs d'ondes zéro, c'est bien. Alors. On a des salles qu'on peut pas accéder encore, donc j'ai peut-être... peut-être louper des cadavres. Avec des cartes. Là... Examiner la carte. Département de neuromode. Non, on est là. On est où, non? Non, on est là. Donc, ça, c'est pas ici. C'est où ça? Grand Hall de Talos. Grand Hall de Talos, c'est là. Donc c'est pas pour nous. La chasse au trésor, si. Signaux brouillés. Laboratoire technique. Laboratoire technique, c'est là. Ça, il faudrait peut-être aller là aussi pour trouver la carte sous la pierre, c'est ça? Trouver la récompense dans la chambre du cuistot, quartier de l'équipage. La chambre du cuistot. C'est là, c'est ça? Ok. Bizarre, j'ai pas trouvé. Et après, la... Il y a le Arbotum ou je sais pas quoi là, là-bas. Ouais, il y a la carte que j'ai loupée en fait. Il nous a dit, tenez, voici la carte.
Donc il a dû nous la filer, mais je... Mais je suis aveugle, ça ? Je comprends pas. C'est ce qu'il nous a dit, hein. Il nous a dit... Je vous donne la carte pour... Je suis pas fou, hein. Vous ne m'apportez rien ? Oui. Je vous dis... Bizarre. J'ai trouvé Winch à le cuistot. Pris au piège dans la cuisine, a écarté l'équipage. Il ne me laissera pas entrer si je lui apporte pas la récompense qu'il a oubliée dans sa cabine. Bien. Ah, ça fait chier là. Moi qui ai mal compris un truc. Ah! Oh la vache! Fallait peut-être pas lui parler à l'intérieur en fait de cet endroit. Fallait lui parler à l'extérieur. C'est là-bas. Alors est-ce que cette carte ouvre? Ouais, qu'une seule chambre, je pense. D'abord, on va boire. C'est juste le séquenceur de conversation de l'opérateur. Je les trouve tellement lugubres d'habitude. Vous savez combien de protocoles de sécurité vous avez enfreint ? Morgan m'a dit que je pouvais. J'ai même bénéficié de son aide. Je suis l'opérateur Raclette, Madame Shaw. Nom de pipe, vous auriez bien besoin d'un bon petit pudding à la banane. Raclette, on t'a pas demandé ton avis. Veuillez m'excuser, chef. Je vais voir ailleurs si j'y suis. Marrant ça. Raclette. Alors, des un peu d'or, c'est un missile qui travaille toute la nuit et a passé la commande à Kelly. Mais pouvez-vous apporter dans la direction le code depuis. Ouais, bon, ça on connaît. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai des musiques à la Shining? Emu, toujours là? Toujours en vie? Oui. Hein? Hein? Mais si Emu revient, je laisse Emu entrer? Mais vous l'avez trouvé? Vous êtes de retour? Venez à la fenêtre. Montrez-moi. Ah, il y a la fenêtre, c'est là, quoi. Ils auraient dû indiquer, en fait, où trouver la carte. Vous avez trouvé quelque chose ? Ah, je dois vous laisser entrer, j'ai promis. Faites le tour. L'entrée latérale. Ouais, c'était là, il fallait lui parler, ici, en fait. Attendez.
Une minute. Ah, le mec, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Merci. Il est en sécurité maintenant. Les bêtes ne peuvent pas entrer. Ah bon? Mais... regardez ça. On a de la nourriture, mais pas d'eau. Le régulateur de pression, il est cassé. Arrêt automatique jusqu'à réparation. Vous trouverez une pièce de rechange dans la serre, je crois. Ah, ça tombe bien. Avec de l'eau, on peut attendre les secours. Pas d'eau. Hein. Rendez-moi ce service et vous entrez dans le congélateur. C'est là que j'ai caché les pantins que la bête a envoyés. Ils ont peut-être des choses utiles pour vous. Non? C'est vraiment cool. On sauve un mec, il nous donne 350 quêtes et tout. C'est abusé. Si les pantins ne peuvent pas entrer, ils explosent comme une bombe. Boum! La bête pond des œufs dans leur tête. Voilà. Vous le réparez? Astucieux. Tenez, j'ouvre le congélateur comme promis. Beaucoup d'autres. De pantins morts et de fournitures. Emu. C'est marrant, Sid. J'ai déjà entendu ce nom. Mais où? Il les appelle... Oh, mais arrête de parler, toi, tu gueules en plus. Silence. Merci. Il les appelle pantins, mais c'est... c'est un piège. Merde de Transtar. MU, vous dormez encore? Vous avez succombé au froid, peut-être? J'ai pris un petit écran de pantin. Je vois tous les noms sur une liste. Le vôtre aussi. Ça veut dire que maintenant, vous m'écoutez. Je sais qui vous... Bête, M.U. Fils de William U. William. Transtar joue toujours avec des vies. Et maintenant, je vais peut-être regarder ces bêtes vous manger, comme vous m'avez jeté en pâture à elles. Ou alors, peut-être que le froid vous tuera d'abord, vous transformera en pantin congelé. Ouais, il les appelle pantin, mais c'est quand même ses collègues, hein. Mais bon, ça a l'air d'être un peu un connard. Viande louche. Will Mitchell. Et son bracelet à l'intérieur. Ça me dit rien qui vaille. Ouais, ils sont tous morts, quoi. Ah, Bigel. Abby, je suis toujours dans le stockage. Je comprends pas pourquoi tu réponds pas. J'espère que tout va bien. Si les choses dégénèrent, je largue un module de données et je passe par l'extérieur. Rejoins-moi à la salle de fitness et tape sur la vitre près de la piscine. Je devrais sentir les vibrations. Et Abby, ne prends aucun risque, d'accord? Je... fais attention. Oh. On aurait dû faire ça en fait dès le début, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on fait les choses dans le désordre là.